Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Marie, ça va? Ben, ça va super bien, je suis content de vous avoir. Ah bah moi aussi, et je vous adore. Et... À la bonne heure. Alors comment ça a été le confinement? Eh ben très bien, j'ai fait connaissance avec ma femme, je la trouve sympa. Et les enfants? Les enfants, très très bien, mais ils commencent à s'ennuyer. Ils ont quel âge? Ils ont 7 ans. Oh dis donc, et j'ai mon gendre, il t'adore. D'accord. Vous avez quel âge, vous, Jean-Marie, si c'est pas indiscret? J'ai un an de plus que Daniel. Ah, vous avez 28 ans, du coup. J'ai 66 depuis le 17 mai. Oh, bah bon anniversaire, alors, en retard. Merci, chérie. Merci, ma petite Danielle. Et moi, je vais avoir 66 ans le 28 août. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tu me dois le respect. Ah, bah forcément, hein. Ah, bon sang, mais on est devenu vieux, quoi. À l'époque, j'avais pas du tout de boudine. Tu vois, avant j'avais les tablettes de chocolat, maintenant j'ai plutôt de la mousse. Moi j'ai une femme qui a 28 ans de moins que moi, Lola. Bah, elle est bien, hein. On en a tiré les plus moches, hein, je te le dis. Ah Là j'ai un petit verre de vin, c'est mon vin. Allez, ce qu'on a pris, nous. Ah oui, d'accord, très bien. Limoncello! Et t'es de quelle origine, toi, Jean-Marie? Je suis champenois. Ah, champenois! Et ben moi, je suis normande, une vraie normande. Ah d'accord, très bien. Bien, elles sont bonnes les Normandes, hein. Surtout au plumard. Oh ouais. Hein. C'est la réputation les Normandes. Ils sont belles les Normandes. Blondes aux yeux bleus. Non, pas trop, hein. Et attention, tu vas la torcher là, Daniel. Ah bah ouais, des hauts. Oh, oh. Bon, et ben alors on trinque? On trinque. À la tienne. Ding ding. Oh, oh c'est C'est dégueulasse. pas bon, Daniel. Oh, c'est dégueulasse. Mais non, mais c'est parce que tu le vois chaud. Ah. Et ça? C'est mon vin rouge, un pinot noir. Oh, dis donc, Oui, moi, hé. tu montes slip dessus, tu vois. C'est le mec qui dit à l'autre, à ton avis, ça pèse combien un pet? Ah bah, l'autre, il dit, ça pèse rien, c'est du gaz. Bon, bah, j'ai pied dans mon froc, alors. On va faire un petit jeu. Ah bon, d'accord, vas-y. Jean-Marie, est-ce que vous pouvez faire des petites blagues comme celle-ci à Daniel? Et toi, Daniel, tu Ouais. dois tout faire pour ne pas rigoler. Ouais. Si tu rigoles, tu dois prendre une gorgée de Ah, limoncello. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 euros et il voit des trucs qui sautent dans les poils. Alors il dit à la fille, il dit, dis donc, ça serait pas des morpions, ça? T'as perdu. Et la fille lui dit, bah, pour 10 euros, tu voulais pas des gambas, quand même. T'as ri deux fois, tu dois boire deux coups. Oh merde. Regarde, moi je bois gratos. Maintenant, quand je regarde un film porno, si jamais il y a une infirmière qui déboule dans l'écran, je peux pas me retenir, je me mets debout et t'applaudis. Le mec dans le plumard, 3 h du matin. Il y en a, il dit à l'autre, hé, Dédé. L'autre, il dit, quoi? Il dit, bah, Dédé, tu serais pas en train de te branler? Il dit, si, pourquoi? Bah, il dit, tu serais gentil de prendre ta bite, là. Allez, bois un coup, Daniel, tu vas être ivre-mort dans 5 minutes. Je t'adore. Merci, Daniel, ça me va droit au cœur. Je vais t'envoyer un t-shirt. Oh, c'est gentil. Attends, ne bouge pas. Allez tous vous faire enculer. Mon genre, c'est XXL. Oui, un double XL sans problème. Ah ouais, ben moi c'est XXL aussi parce que j'ai la poitrine. Toi, c'est un triple XL. Il est beau, hein? Alors, si jamais tu vois quelqu'un arriver vers toi Oui. avec le masque qui fait. Dans ce cas-là, faut pas oublier les gestes barrières. Et les gens, ils en ont plein le cul, donc ils adorent porter ce masque qui est un peu contestataire. Le mec, il dit à sa femme, chérie, pourquoi tu me dis jamais quand tu jouis? Et sa femme, elle lui dit, bah, tu m'as interdit de t'appeler au bureau. Oh, c'est trop rigolo, ça. Ah, tiens, je finis mon Allez. verre, moi aussi. On ira ensemble, hein? Ah, peut-être. Je vais prévenir ma femme. Mais je t'ai déjà vu dans le 7e arrondissement. Ah oui, bien sûr, Oh. c'est là que j'habite. Bah ouais, parce que j'étais dans le bureau de tabac en face de la poste. Je t'ai vu 3 fois. Ah oui, je connais très bien. Et t'as fait quoi pendant le confinement alors? T'as fait la cuisine? J'ai tout fait, Daniel. Eh ben c'est très bien. Fini des écritures qui étaient en cours. J'ai mis en place un livre. Je vais faire comme un dictionnaire de traduction. Et je vais faire français bigard. Les scientifiques disent ne mettez pas de masque. Ça sert à rien, ça peut même être dangereux. Traduction par Bigard, on les a pas.
C'est vrai, moi j'en ai pas. Une semaine plus tard, finalement, faut mettre un masque. C'est obligatoire. Traduction, ça y est, on a reçu le masque. Là, ils nous prennent pour des cons. Tu veux être président de la République? J'ai pas pris ma décision. Ah ouais, ça serait bien. T'es comme moi, t'es franc, t'as une grande gueule. Tu voilà. Sais que mon message au président, il a été vu 8 millions de fois. Ah, et tu l'as eu au téléphone? Oui, bien sûr. Et alors? Oui, très très agréable, très gentil. Oh bah c'est bien de... Bah écoute, la prochaine fois que je l'ai, je lui dirai qu'il t'appelle. Ah ouais, ça fera plaisir. Oh, tu m'as fait rire, toi, tu sais, hein. Ah, t'es un amour, ma petite Danielle. Et si je te vois un jour au bureau de tabac, bah je t'embrasse. Ça sera fait avec la langue dans la bouche et tout, parce que... Y a pas de problème. Tu fumes? Ouais. C'est pas bien, Danielle. Tu dis à Arthur qu'il me rappelle pour que je... Tu me donnes une adresse, faut que j'envoie les t-shirts. Oh, t'es trop gentil, merci, hein. Là, je vais faire un spectacle le 20 en streaming. Tu sais ce que c'est, Daniel? Non. Ah, un streaming, ça veut dire que la salle est vide. T'assistes à un spectacle exceptionnel de chez toi, avec ton Ricard et tes cacahuètes. Ah, bah d'accord. Est-ce qu'on peut finir sur une blague bien salace? Je ne veux pas choquer, Daniel. Oh, bah non, bah, alors là, tu me choques pas, hein. Bah non, mais... Le petit garçon, il dit à son papa, qu'est-ce qu'elle a, maman, entre les jambes? Et son papa dit, ben, c'est le paradis. Ah bon, il dit, et toi, papa, t'as quoi entre les jambes? Et ben, il dit, c'est les clés du paradis. Et il dit, ben, tu feras attention parce que je crois que le facteur, il a un double. C'est trop bien. Merci, ma petite Danielle. Gros bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Bisous, toi. Et merci, hein. De rien, au revoir.